Le soleil se leva sur les palais et les temples de l'île d'or. Les façades inanimées et les occupants divins, tous perdus. Mais pas Phénix. Luttant de toutes ses forces, elle avait presque rejoint l'Olympe dans sa quête visant à éliminer Typhon, le destructeur des dieux. Mais elle allait auparavant découvrir un secret historique. Phénix était arrivé sur le rivage où avait été abandonné le grand guerrier Philoctète, avec une morsure de serpent infectée au pied. Comment avait-il survécu sur cette petite île? Pour quelle raison Ulysse l'embarqua-t-il pour l'emmener à la guerre de Troie, là où Philoctète allait tuer Paris, l'instigateur de cette guerre qui... Je m'ennuie! Arrête de me faire toute une salade à propos de gens qui sont pas là, et raconte-moi la vraie histoire. Quelle vraie histoire? Phénix était sur le point d'entrer sur le territoire des Cyclopes, où Ulysse, champion régional et grand amateur de voile, avait failli mourir. Et c'est en ce lieu que la belle enfant, audacieuse et insouciante, était destinée à découvrir le secret perdu des dieux. Zeus, la grotte du Cyclope, était sur la grande mer. Je m'en fiche! Et oublie la grotte un peu, j'ai envie de profiter de la vue. Tu ne peux pas ignorer l'exactitude historique! C'est ton problème, l'exactitude. Moi, je fais ce que je veux. Et quel est ce secret des dieux? Ah, il n'en sait rien, hein, le grand maître du savoir. Alors, ouvre un peu tes esgourdes. Quelle vue! Eh oh! Y'a quelqu'un? Phénix observa le Cyclope, gardien du secret. Mais il restait silencieux, ayant été figé par la magie glaciale de Circé, la sorcière des mers. Circé est sur une autre île, très différente de celle-là. Oh, vraiment? Et elle n'a pas de magie glacée. Pas glacée, glaciale. Elle voit des choses et elle les transforme. Bon, tu sais quoi? Je parie que tu es incapable d'énoncer une seule vérité pendant toute ton histoire. Pas une. Parfait. C'est quoi ta nourriture préférée? Les fruits du jardin de Mamie Gaïa. Par les dieux, ce qu'il me manque. Le jus était si épais, il me coulait sur le menton. C'était divin. Oh oui, c'est vrai que ces bébés étaient délicieux. Bébés? Des bébés? Soyons clairs. Tu sais que ce n'est qu'une métaphore visuelle, n'est-ce pas? Les fruits de la terre ne sont pas vraiment des bébés. Ce qui explique l'arrière-goût de savon. Bon, mon aigle va aller chercher des fruits de Gaïa. Si je perds le pari, tu auras le droit d'en manger. Tu permets? Phénix réalisa que seul le chant des sirènes libérerait le Cyclope du sort de Circé. Circé, je te tiens. Oh, bravo. Pas d'insolence. Circé, sans faire poser, donc ne pouvait pas rester les bras croisés, alors ils ont envoyé des renforts.
Phénix approcha de la falaise, tout comme Ulysse avant elle. Ulysse, lui, à l'époque, avait déployé ses ailes qu'il s'était procurées chez Circé 2000. Outillage et matériaux. Tu sais qu'Ulysse est allé voir Circé après Polyphème, mais je t'en prie, continue. Phénix n'avait pas cette chance. Sans elle, elle ne devait croire qu'en son cœur. Phénix s'élança dans les airs, et soudain, un miracle ! Les ailes d'Ulysse apparurent sur son dos. Par les dieux, je vole ! Je vole ! Elles n'appartiennent pas du tout à Ulysse, et elle les a toujours eues sur le dos. Prométhée, elle ne devait croire qu'en son cœur. Ah, comme tu peux le voir, Phénix a découvert un ensemble de cibles. Philoctète avait apporté sur l'île de Crisée son arme la plus fidèle, l'arc d'Héraclès. Et voilà, historique. J'ai rien compris à ce que tu viens de dire. Mais une chose est sûre, bonhomme. Phénix doit utiliser l'arc d'Ulysse récupéré dans le multivers de Pégase pour foutre le feu à plein de trucs. Thank you.
Phénix avait hâte de mettre la main sur le secret des dieux. Elle régnerait alors sur l'Olympe. Tu sais qu'elle essaie de tous vous sauver. Ah oui? Pourquoi elle ferait ça? Peut-être parce que nous avons offert le feu aux mortels. Voilà! Et c'est pour ça que je t'ai enchaîné à un rocher. Pour toujours. En effet, oui. Pourquoi essaie-t-elle de te sauver? Exactement. Circé et Poséidon n'abandonneraient jamais avant l'échec de la mortelle. Tu vois, Phénix connaissait la vérité. Ulysse était un espion envoyé par les mortels afin de voler le secret des dieux que gardait le Cyclope. Polyphème. À tes souhaits. J'en ai un, si tu veux. Tu peux toujours rêver. Quoi qu'il en soit, Circé et Poséidon n'allaient pas laisser Phénix s'emparer de ce secret. Passe. C'est un Minotaure. Quoi? Oh ben non, c'est Cerbère. Ce n'est pas Hadès qui le garde le week-end? J'ai dit Cerbère? Je voulais dire Griffon. Et pourquoi pas les moutons sous lesquels Ulysse s'est caché pour échapper à Polyphème? Non, c'est un lion. Pourquoi pas un troupeau de coqs aussi? Ah, pas mal ça. Tu n'es pas sérieux. Le coq de la mer. Ce n'est pas du thon, ça? Invoqué par Poséidon pour chanter une tempête. Avait presque récupéré le chant des sirènes. Lui seul dissiperait la malédiction de Circé. Le seul moyen d'y arriver, c'est avec des herbes. Bon, je te le dis en copain, il faut penser à se calmer sur les herbes. Tu deviens parano à force. Bref, Phénix sentit les mains invisibles de tous ses ancêtres lui donner la force de déplacer des montagnes. Ce n'est pas la force de ses ancêtres. Elle porte les brassards d'Héraclès. Prométhée, ce n'est pas un objet magique qui permet de soulever des choses. C'est l'amour.
Yeah!